Yo. Du coup, ça fait 10 jours que j'ai pas joué. Là, cette semaine, je me reco parce que c'est intéressant. C'est l'acide qui est à l'honneur. Donc, on va en profiter. Alors, ce qui est marrant pour tous ceux qui font partie du crew, là, vous le saurez, j'ai fait cette tenue du coup avant de créer la tenue du crew. C'est pas tout à fait pareil, puisqu'on va dire que j'ai un peu amélioré cette tenue quand j'ai fait la tenue du crew. Mais voilà, pour ceux qui en font partie, vous saurez que cette tenue-là a été la première, la toute première à être faite. Et la tenue dont je me suis inspiré pour faire celle du crew. Bref, on va aller commencer direct à farm. Du coup, ouais. Petite routine à faire, faut que je vérifie où en est mon acide. Oh putain, c'est vrai, j'avais acheté une petite... Enfin, j'ai pas acheté, je l'ai volé, ma petite chaise. Incredible. Alors, attends. Par contre, on va aller faire le colis tout de suite. Faut d'abord faire la planque. Et après, on va appeler Mute si jamais ça remplit pas la planque. Enfin, si... Oula, j'arrive plus à parler. Si l'acide ne remplit pas la planque, j'appelle Mute. Voilà. Désolé, je vais galérer à m'exprimer parce qu'il fait extrêmement chaud. Je suis actuellement en train de me liquéfier. Et à mon avis, c'est très ironique par rapport au moment où l'épisode sera diffusé. Puisque il y a à peu près 3 à 4 mois de... de délai. Donc je pense qu'au moment où on va regarder cet épisode, il doit faire bien pourri, bien froid. Mais au moins, tout fonctionne. Parce que là, je vous avoue que... Donc hier, j'étais en live. Hein. Pour ceux qui suivent tous mes lives assidûment, vous vous en souvenez certainement. Mais j'ai eu plein de problèmes, je pense, à cause de la chaleur. Parce que mon ordi a chauffé. Ma play aussi, et moi, n'en parlons pas. Bref, putain, magnifique. J'allais vers là pour faire ma routine, au final, la planque est juste à côté. C'est vraiment perfecto pepito. Bref, tout ça pour dire que je risque de pas enregistrer très longtemps, je pense. Et de toute façon, c'est pas l'idée, faut juste que mon acide monte, que je fasse ma petite routine. Et j'ai une voiture aussi à gagner, là. Il y a une petite voiture qui m'intéresse au salon de l'auto. Il va falloir que je fasse des courses pour votre plus grand plaisir. J'espère que je vais pas rager comme un putois. D'ailleurs, faudrait que je regarde si le logo du crew, je peux le coller sur un des vêtements là, parce que là, dans la temporalité, j'ai créé le crew il y a 5 jours. Donc pour vous, c'est il y a longtemps, mais à voir, parce que du coup, à mon avis, je dois avoir un niveau de crew très bas, ce qui fait que je dois peut-être pas pouvoir coller le logo où je veux pour l'instant. Putain, c'est la coque. Bon bah go appeler Mute, s'approvisionner, acheter des matières premières. Bim. Je vais accélérer la prod aussi, avant d'oublier. Ouais, busy, ouais. Comme tu dis. On fait de la science. La science. Et voilà. Bon, on va aller faire la routine. Vite fait, bien fait. Je vais changer ma tenue. Je vais peut-être me refaire une tenue aussi, là. Ça commence un peu à dater, cette tenue-là. Voilà. Oh, bientôt niveau 111, nice. Faut que je vous montre quand même ce que je veux gagner. C'est la petite Vulcar, et c'est marrant parce que la dernière fois que j'ai enregistré, il y a 10 jours, j'en parlais, et je me disais, je vais attendre qu'il y ait une promo, ou alors qu'elle puisse être gagnée, parce que clairement, c'est une voiture qui est trop cool, mais qui vaut pas le coup d'être achetée, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une voiture plaisir, un peu comme la Kanjo, donc c'est une voiture stylée à posséder dans une collection, mais quand on a un nouveau compte et qu'on se bataille pour avoir des sous, c'est un peu relou d'acheter ça, quoi. Et là, je suis à 3 millions. Putain, je savais même plus à combien j'étais. Ouais, donc c'est clairement pas assez pour se permettre d'acheter tout et n'importe quoi dès qu'il y a un petit plaisir. On mérite chaque véhicule, voilà. On se bat pour les avoir gratuits. Bim! Ok, c'est toujours 10 000. Putain, par contre, j'aurais pas dû emmener la Sanchez parce que je sais pas ce que je vais pouvoir modifier. Il y a pas de plaque sur la Sanchez. Je vais peut-être changer la couleur des phares. Ah oui, c'est vrai, ma petite couleur de crew, du coup. Magnifique. 50 000 pour des phares, ouais. Alors, je me le permettrai sur PS5, mais pas sur ce compte-là. On va mettre des petits phares Xenon. Voilà. Ça c'est fait. Attends, on va vérifier quand même. Est-ce qu'il y a des choses à acheter ou pas? Ah, il y a un truc à acheter. Bon, bah c'est pas très beau. Allez, allons au casino. Yes, Mute a reçu les matières premières. Merde. Alors, ah putain, merde, je sais même plus c'était quoi qu'il faut faire pour gagner la Vulcar. Ah, fait chier, faut que je regarde. Putain, faut que j'y retourne. J'ai complètement oublié. Super, je suis abonné au t-shirt sur PS4, j'ai l'impression. Un nouveau client, nice. Ça c'est bien, ça c'est de la bonne nouvelle. Qui a pris ma moto? Mais il est sérieux lui? Arms. Voilà, plus de moto. Démerde-toi à pied. Je vais aller au salon auto en hélico. Ça va être un peu plus rapide comme ça. Faut juste que j'aille vérifier qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour la Vulcar. Allez, pas le time d'atterrir.
Oupsie. Alors, du coup, défi terminé top 3 d'une course des épreuves du salon auto. Ah, du coup, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être course poursuite ou course de rue. Bon, bah, nice. On va tenter une petite course de rue. Ah, ça va être compliqué de trouver des joueurs. J'ai invité China, mais je sais pas s'il joue. Enfin, en tout cas, il est en ligne, mais il joue peut-être pas à GTA. Ah, tout le monde s'en bat les couilles de cette voiture en même temps. Elle n'est prisée que par les passionnés, hein. 5 minutes later. Bon, ça pète les couilles. Je vais quitter, ça me saoule. Je vais essayer de m'organiser et de faire ça avec des membres du crew. Ce sera plus simple pour plier ça. Parce que le problème, c'est que c'est 3 jours d'affilée. Donc c'est demain, dernier Kara, qu'il faut que je commence. Parce qu'on est dimanche. Je vais quitter cette merde. Ça sert à rien. Ça m'aurait arrangé de le faire ce soir, mais bon. Tant pis. Je vais rechecker quand même si c'est pas 2 jours. Si c'est 2 jours, ça va. Mais si c'est 3, c'est vraiment demain, quoi. Top 3 d'une course 2 jours d'affilée. Bon, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. C'est pliable, mais du coup, ce serait bien de le faire demain quand même. Ou peut-être ce soir, je sais pas. Bon, du coup, je vais aller voir où est le chrono junk. Et il est où le chrono junk, là, je le vois pas. Ah, putain, il était caché. Eh ouais, c'est ça, traîner par terre, là, comme ça, sur les trottoirs, monsieur. Ouf, merde. Non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Allez. Quoi ? Il a sorti une arme, ce bâtard. Mais c'est un fou. C'est un fou, lui. Il m'a visé, hein. Depuis quand il y a des gars armés en ville ? Genre, ils sont dans le désert, normalement. C'est des zinzins, eux. Oh ! Oh merde, putain, j'étais concentré sur la carte. Je regardais si j'avais pas des flics. Wesh. C'est fini, GP Explorer, frérot. C'est pas là dans Formule 1 en ville, lui. C'est pas de la Formule 1. Oui, bon, d'accord. TG, Timothée. On t'a dit TG. Oh. Allez, on va se cacher. On va attendre que les policiers s'en aillent. On va se mettre en tenue, d'ailleurs. Je vais peut-être me faire modifier un peu la tenue pour qu'elle corresponde avec celle du crew, hein, du coup. Oh, putain, que j'avais pas vu. Yes. Parfait. Allez. Ah mais oui, j'avais essayé, le problème c'est que le parachute nique un peu la coupe. Du coup, je vais peut-être changer de coupe de cheveux en fait, parce que je me rends compte que les couettes c'est rigolo, mais c'est un peu buggé avec tellement de vêtements que ça casse un peu les couilles. Il est stylé ce chrono, je l'avais jamais fait celui-là non plus. Et bim. Bon bah ça c'est fait. Je vais aller modifier ma tenue tout de suite. Hein. Enfin du coup d'abord modifier ma coupe de cheveux. 77 000, je vais aller vider les coffres un peu, là je vais faire le tour. Je sais pas à combien j'en suis, on va éviter que ça se remplisse de trop. Allez hop, bon y a que 50 000 mais bon. On récup. Bim, je vais passer à la salle d'arcade aussi, je sais pas combien j'en suis. On fait salle d'arcade, coiffeur et après tenue. Ok, les couettes ont fait leur temps. On va passer à une coupe. Voilà. Vous allez voir, je sais un peu déjà ce que je veux mettre. Tu vas voir ce que je like, moi. Voilà! C'est ça qu'on veut! Parfait. Et en plus, on garde le délire des couettes, tu vois. Ça fait un délire. Ça fait un délire. Allez, bisous. Diminutif. Attends, du coup, je vais juste voir ce que ça donne avec le casque. Parce que là, ils me l'ont viré, mais du coup... Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas ridicule. Du coup, maintenant, on va aller acheter... Enfin, on va acheter, je sais pas, mais on va upgrade un peu la tenue. Voilà. Rogai Gangs. Donc sachez que c'est elle, hein, la tenue du Rogai Gangs originel. Voilà. Dites-vous que ça fait 5 jours que le crew est créé. Hein, donc on est au balbutiement de la naissance du Rogai Gangs officiellement. Parce que le Rogai Gangs a été créé un petit peu avant, évidemment. Mais ça, il faut être sur les lives pour connaître un petit peu toute cette histoire. Du coup, qu'est-ce que je fais, moi? Bah tiens, je vais aller livrer des véhicules clients en attendant. Je pense que l'acide est toujours pas plein. Voilà, ça c'est cadeau. Oh, c'est vrai que j'avais ça à custom. Je refaisais un tour comme ça pour check, mais c'est vrai que j'ai acheté la Porsche, putain. Trop bien. C'est quoi la Kia? Oh bah tiens, regarde qui va là. La petite Vulcar. Voilà, custom. Voilà, on va custom l'autre. Ok, voilà, bon. Eh ben on va le livrer, hein. Allez, 2 km, c'est parfait.
Et bim. Tiens, Jean-Baptiste, toujours là pour acheter des voitures, toi. Hein. J'aurais récolté 200 000 balles au final aujourd'hui. Hein. C'est pas mal du tout, ça. Hein. Mais putain, mes fils de... Ouh là là, il m'énerve, ces PNJ. Ouais, t'as de la chance que j'ai autre chose à foutre. Hein. Ouais, j'ai autre chose à foutre, mais... Mais putain! Bon, allez, vas-y, c'est bon. J'ai passé 2 heures à essayer de le niquer, ça va me fatiguer. Je vais rager, j'ai des sous à faire. Oh putain, merde. Faut que j'arrive entier à mon atelier auto, ça serait pas mal. Oh là 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 là, l'arbre maléfique. C'est bon, t'inquiète, tu vas pouvoir rendre l'âme dans 3 secondes. C'est bon. Putain, pourquoi ils sont juste devant mon atelier auto Oh merde, non, j'ai sauté trop tôt. Oh le con. Oh le con. Oh le con. Ça va, je suis pas mort. Tout va bien. Allez, 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 allez. Cours, Forest, cours. Tu vas y arriver. Oui. Allez, on va livrer l'autre. 1 km, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. J'aime quand Rockstar fait ça. Wesh, mais non, mais c'est quoi ça? C'est qui eux? Pourquoi ils me niquent la caisse? Mais c'est quoi ce bordel? Depuis quand il y a des PNJ comme ça, là? Non, mais c'est une blague. J'ai des mercenaires sur le cul. C'est quoi ce bordel, là? C'est des mercenaires, mais ils se baladent jamais dans ces véhicules de merde, normalement. C'est une blague. Tu vas me dire qu'ils m'ont suivi depuis l'aéroport, là? C'est ça, la blague? S'il vous plaît, laissez-moi rentrer. Yes! Wesh! Oh là là, il m'a saisi, lui. Ah putain, j'avais pas vu, me dis pas que c'est l'aéroport, là. Bon, allez, on trace. Putain, c'est l'aéroport, sa mère. Oh, non! Fils de... Ah, vas-y, j'ai la flemme, là, j'ai la flemme de ouf. Tant mieux si t'es mort, hein. Trou du cul, hein. Ah, j'ai le seum, j'étais à 25 000. Attends, j'ai perdu 6 000, là? J'étais que 20 000, j'espère. J'ai perdu 600 $, pas 6 000, s'il vous plaît, là. En même temps, ce trou du cul, il demande une voiture boostée, il met pas des freins, quoi. Enfin, je sais pas. Ah, un turbo, mais par contre, des freins de merde, pas de soucis. Eh, tiens, Benoît, douche. Ouais, ça va, hein. C'est bizarre, ce PNJ, je l'avais jamais vu. Il est nouveau, Benoît. J'ai aucun souvenir d'avoir vu ce bug. Ouais, ouais, 524, ça va. J'ai même pas perdu 600 $. Bon, et eh ben nice. En plus, j'ai passé de niveau. 97, magnifique. Dans 3 niveaux, on atteint le niveau 100. T'as heurté un truc, oui, j'ai heurté un connard, ouais. Bon, sur ce, merci à tous. Des gros bisous. A tout de suite si c'est dans le prochain épisode. Enfin, à tout de suite si le prochain épisode... Allez, vous avez compris. Bon bref, moi je vais vous laisser là, je rejouerai demain, donc soit ce sera tout de suite après pour vous, soit ce sera dans un prochain épisode. Donc sur ce, je vous dis tchuss.